Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h, on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee. Toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Bon, ce matin, c'est mon chéri qui est au petit-déj. C'est des petits pancakes. Trop cool. Bon, ce qui est bien, c'est que vu qu'on a du temps, on peut faire tous les soins du corps, du visage, des cheveux. Voilà. Ça, c'est bien. On peut passer plus de temps dans la salle de bain. Bon, carrément, du coup, je me prends pour Maïté. J'ai tenté un steak qui fait du cheval, mais franchement, c'est pas trop ça. Non, et celui de mon mari, c'est encore pire. Je me prends pour Maïté. Non, mais j'aurais pas dû monter sur la balance. En plus, je suis montée alors que j'ai déjà bu 2 litres d'eau. J'ai déjà mangé mon repas. C'est pour ça, je me défie pas ça. J'ai déjà mangé mon repas. Demain, je remonte pour remettre mon vrai score. Je suis trop deg. D'ailleurs, ça va être compliqué ce confinement, je sens, parce que c'est bien beau d'être à la maison. Mais du coup, les calories, il faut qu'on monte les escaliers, qu'on les descende toute la journée. Hein. Mais ça va aller trop vite. Hein. Franchement, si on ne fait pas d'exercice, pas de sport, qu'on ne sort pas, qu'on ne promène pas, on va ressembler à des potétoses. Tu voudrais être un potétose avec moi? Aime-moi, t'as une patate. Viens me faire un bisou de patate. Je t'aime. Le principal, c'est qu'on sera deux patates. C'est deux grosses pattes. Mais c'est pas grave, on peut s'occuper, chérie, on peut faire du sport à domicile. Oui, bah oui, on fait déjà. Mais là, c'est pas une heure de sport qu'il faut faire, là. C'est toute la journée. Bon, allez, c'est pas grave. Avec le sourire, on reperdra ses kilos plus tard. Je vais à la douche, rincer mon masque. Ouais, mon amour. Comme t'es beau, mon chaton. Mais c'est que tu grandis drôlement vite, hein. C'est pas possible de grandir si vite, hein. Moi, je veux pas, hein. Allez, je vais te faire des petits câlins d'amour. Donc, le prix de la balance vaut le coup. Là, je vais m'embrouiller avec mon chéri à J2 de confinement, enfin J3. Ça commence bien. Là, il m'a saoulée. En fait, je vous explique ce qui s'est passé. Je lui demande s'il peut me faire une photo. Voilà, parce que pour une fois que je suis maquillée et tout, je lui dis, tu peux me faire une jolie photo. Et à chaque fois que je dois faire des photos avec lui, c'est un problème. Genre, c'est déjà que ça me saoule. Des fois, je suis pas très meuf qui fait des photos et tout. J'ai pas 50 000 photos de moi dans mon téléphone, pas du tout. Et ben, quand je suis motivée, je me dis, allez, je vais me faire une jolie photo. Il me démotive d'un coup, en fait. C'est quoi cette tête? Et pourquoi tu fais ça? Non, mais c'est pas comme ça. Et du coup, ça me tend, en fait. Donc, ça dure une minute et voilà. Donc là, il a même pas le temps de prendre une seule photo. Ça m'a tendu. Voilà, il m'a saoulée. Quand on me demande les couleurs que je mets en rouge à lèvres, voilà, c'est celle-là. C'est toujours dans les tons nude. J'aime trop, c'est la marque Banana. Donc là, c'est la teinte Croco Loco. Voilà, j'adore. Voilà, donc comme vous voyez, il n'y a pas de transfert. Voilà, ça ne marque pas du tout. Ça reste bien mat. Les teintes, elles sont toutes plus jolies les unes que les autres. Je ne peux pas vous en conseiller une en particulier. Mais j'adore mettre ces gloss. Voilà, la marque c'est Banana. Donc vous allez pouvoir profiter de mon code promo également que je vous mets juste là. Vous avez également des sets avec. Bon, il y a différentes teintes. Je vais vous montrer comment appliquer mon code promo sur le site. Et vous arrivez sur le site Banana Beauty, vous retrouvez des rouges à lèvres, les mascaras, vous retrouvez les sets. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des couleurs rouge, rose, il y a des nudes, des marrons. Et les moins 50% sont valables sur tout le site, pas seulement sur les rouges à lèvres que je viens de vous montrer, donc profitez-en. Bon, après 3 heures à chercher le livret de famille, parce que monsieur l'a perdu, évidemment, perd son livret de famille. Le truc qu'on te dit dans ta vie, ne surtout pas perdre, bravo chérie. Donc c'est moi qui l'ai perdu. Ah parce que c'est moi. Non, mais on s'en fout de savoir qui c'est, on est une famille, donc on s'en fout. Ah donc on l'a perdu en famille alors. Bah ouais. On a perdu notre livret de famille tous ensemble, en famille, voilà, la famille Garcia. Non mais c'est une blague. On l'a cherché pendant 3 heures. Pourtant on sait que c'est genre on sait qu'il fallait pas le perdre. Je sais pas où on l'a mis. Mais je suis sûre qu'il est quelque part. C'est impossible qu'on l'ait perdu. C'est impossible. Genre c'est le truc qu'on savait, le papier est important. Mais on est trop déboulé avec les papiers. Il y a qui dans l'équipe? En attaquant, il y a Nico Ferrero et Nico Lozina, les deux Nico. Ouais. Il y a Kevin qui est au milieu. Ouais. Ah putain, je savais pas qu'il y avait Kevin. Il y a Kevin là, il y a moi là à gauche. Ouais. Il y a Julien.
Ouais. T'as rien d'aider, enfin, il y a tout. Ok. FC Balidier. Et donc, tu viens de leur dire quoi il y a 2 minutes à l'équipe? Je leur ai dit quoi? Tu viens de leur dire quoi? Que on était confinés. Non, non, que tu as perdu quoi? J'ai perdu le livret de famille. Ah, donc t'as dit j'ai perdu le livret de famille. J'ai perdu le livret de famille, voilà, j'assume, il y a quoi? Voilà. Voilà, c'est pas toi. Je vais rien faire. C'est pas toi qui vas aller à la mairie, ça. Déjà, c'est pas à la mairie, déjà, c'est au consulat. Ah, ah ouais. Et en plus, non, c'est toi qui vas y aller, c'est toi qui l'as perdu. J'ai aller, j'ai pas... Après, il me dit non, c'est toi. Prends il est avec ses cousins. C'est bon, il assume là que c'est lui. Mais tu préfères FIFA ou moi? Chérie, en confinement, je t'ai dit, je préfère tout sauf toi. Allez. Bon, tu mets pause. Je veux pas mettre pause dans le réseau, il y a des autres gens qui nous attendent. Je voulais qu'ils filment pendant que j'enlève. Bon, je crois que ça va être grave compliqué parce que là, je pense qu'à manger. Normalement, quand je suis pas chez moi, je m'en fous, mais là, je pense vraiment qu'à manger. J'ai envie de manger, je pense qu'à ça, c'est... Ça va être vraiment compliqué, je sens. J'ai rien compris au jeu. Ouais. J'ai rien compris. Mais t'as jamais été très bon à la play, je comprends pas. Là, je joue pas, donc, tu vois. Bah, tu veux que je sois fort? Non, ah, non, non. Okay. Sinon, pour s'arranger, je peux être très fort si je suis. Allez, viens, mémé, on va manger. Ouais. Moi. Tu vas me toucher une photo? Si tu veux, moi, j'ai jamais chipoté en te demandant de faire un manger. Non, mais on pense qu'à manger, je vous jure. Toute la journée. Toute la journée en Et ouais, mais tu vois, tu connais, rester comme ça, pas bouger et tout, tu t'as faim, frère. Oh là là. Ah. Carrément, j'ai dit à mon chéri, tu peux acheter un thermomix parce que si je lui ai dit, je sais pas faire une soupe. Non mais en vrai, je sais pas comment on met des légumes et après ça devient liquide en fait. Enfin, je sais pas s'il faut mettre de l'eau, s'il faut mettre. Ouais, je sais vraiment pas faire de soupe, c'est vrai, j'ai jamais fait. Bah, en même temps, oui, vous allez me dire, tu sais pas faire grand chose. Oui, c'est vrai, c'est cool. Je sais pas trop faire à manger. Voilà, et j'ai envie d'avoir ça parce que ma belle-mère, elle l'a, la dernière fois, elle a mangé chez elle, elle a fait un dessert. Enfin, c'est même pas elle qui l'a fait, du coup, c'est le truc. C'était incroyable, j'étais choquée. Donc, du coup, j'ai envie d'avoir ça chez moi, qui m'aide à cuisiner. Enfin, en fait, qui cuisine pour moi, j'assume totalement, en fait. Moi, je me languis de plus être enrhumée parce que, du coup, je suis dans un mood nul, là, je suis fatiguée, je suis pas bien, genre. Mais bon, c'est pas grave, ça a passé. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Vous êtes beaucoup à me demander si mon fils a commencé à manger des compotes, des purées, des petits légumes et tout écrasés. Non, il mange pas encore ça parce que ben, il a 5 mois, hein, 5 mois et demi. Mais tout simplement parce que vu qu'il est né avec une atrésie de l'œsophage et que du coup, ben, ils ont connecté le 2 œsophages qui n'étaient pas connectés. Et eh ben, on doit attendre. Il doit manger avec des chirurgiens, il doit essayer, et avec plusieurs chirurgiens autour de lui, des médecins. Et donc, c'est pas nous qu'on le fait à la maison. Donc, j'ai trop hâte ce premier jour là où il va commencer à manger ses petits pots et tout, découvrir les saveurs, mais c'est pas encore quoi. J'ai trop, trop hâte. Autre question que vous me posez, c'est la dernière fois, j'ai dit que je pouvais pas aller dans la piscine au soleil à mon chéri, que je restais dans la maison à l'ombre. Bah, tout simplement parce qu'en fait, j'ai fait l'épilation au laser. Et quand on fait ça, bah, il faut attendre un petit peu avant d'aller au soleil. Donc là, je l'ai fait il y a quelques jours. Donc bientôt, j'y retourne. Mais là, du coup, je peux pas.